Coucou, salut, hello, bonsoir. Alors, ouais, je voyais déjà, c'est pas bon ça. Ah. Bon, ce soir, un PE Escape 3, et le dernier, il n'y en a pas d'autre, à ce que je sache. Allons-y. Oh, il y aura une vieille barre noire en bas là, c'est une catastrophe ça. Dans le 2, on avait le choix de. Ah, pardon! Et voilà. Ah, il y a encore un petit souci avec quand même la position de l'écran. Ah, ça sera peut-être pas mal. Ah, là, c'est mieux. Je pourrais pas faire mieux, hein. Allons-y. Oula! Ah oui. Ah, je vais choisir un pseudo maintenant. Je connais pas le 3, hein. Alors. Le 2 et le 1, je connais. Enfin, ça me disait quelque chose, le 2 surtout. Bah alors le 3. Voilà. Oui. Je connais pas du tout le 3. Je sais pas à quoi ça ressemble. Et alors, cher spectateur, est-ce que l'endroit vous convient? Mais tout à fait. Très bien. Commençons notre alliance. Splendide. C'est un Leur excellent. voilà. Est-ce qu'il s'est échappé dans le 2? À nouveau, parce que le professeur sait pas faire son boulot. Et leur voilà. Pour un troisième opus. Et le dernier. Donc là, on risque de le capturer pour de bon, quoi. Aki, est-ce que tu m'entends? Satoru, écoute-moi bien.
Sayaka, dis-moi, est-ce que tu vas bien? Natsumi? Je vais devoir faire très court. Encore Natsumi, ouais. Les singes se sont encore enfuis. Ils déchaînent leur méchanceté à travers... Donc on a encore des nouveaux persos. Au début, on avait Spike et Buzz. Après, on a eu Itaru ou je sais pas quoi. Otaru ou Itaru. Et là, on a encore des nouveaux persos. Je sais pas s'il y a une... Eh, c'est Spike, c'est pas Kikaru, qu'est-ce que c'est que c'est? Les singes s'empareront du monde si on n'agit pas très vite. On a vu Kikaru et Spike. On a besoin de vous. Attrapez les singes et coupez cette émission ridicule. Maintenant, écoutez-moi bien. C'est un filet à singes. Vous devez choper ces vauriens avec. C'est à vous de jouer. On compte sur vous. Ah, ils ont été contrôlés, c'est pour ça qu'ils peuvent pas. Ils peuvent pas agir. Voilà la livraison. Natsumi ne plaisantait donc pas à propos de tout ça. Oh bon sang. Oh. Quoi? Arrête. Oh là. Oh oh. Il a sauté. Attrapez-le. Sotaro, 9 ans, EPS, cantine. On s'en bat les couilles. Point fort, baseball. Petit fonceur. 9 ans, français, musique, chant. Fille souriante. Mais là, on s'en branle. Alors, est-ce qu'on change... Non, mais on va garder... Parce qu'on a joué que des garçons jusque-là, est-ce qu'on changerait pas un peu? Après, baseball, c'est un bon avantage pour la pour attraper et taper, hein. Alors que le chant, on s'en branle, non? Ah, ça change quand même, hein. J'ai envie d'essayer, hein. Je sais pas si c'est vraiment... ça change grand-chose, mais... Non, on va continuer avec. Il a des matières, enfin il a des. Je sais pas si ça va vraiment jouer sur quelque chose. Est-ce que c'est juste du détail inutile, mais. Il est plus intéressant, je veux dire, français musique, à quoi ça va te servir là? On s'en branle. Okay. Bon choix. C'est parti. Du coup, c'est la daronne qui va me faire le... D'accord. Qui va me faire le rétroplanique du truc, quoi. Ça marche. Bien joué. Le singe a été enfermé, c'est grâce à vous. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on dirait que les choses se passent exactement comme nous l'a dit Natsumi. Il semble que les singes s'amusent en jouant des mauvais tours dans le monde entier. Quelqu'un va devoir les rattraper et mettre fin à leur maudite émission. Et c'est là que vous intervenez. Quoi? Ça vous tente? Ouais, on y va. Voici ta base d'aide secrète, la station télé. Ce singe a cassé le téléporteur. J'en ai construit un derrière le labo. Monte au centre du téléporteur pour aller capturer des singes. Les autres appareils te permettent par exemple de sauvegarder. Bon, on connaît. Zone bonne aventure. Tu peux lire ici des prédictions avec des singes captifs. Génial, non? Plus tu attrapes de singes, plus tu peux lire de prédictions. C'est quoi ce truc?
Les prédictions, c'est comme dans le 2, là. Il y avait des prédictions. C'est un peu comme dans le 2. Dans le 2, on pouvait ouvrir des gachas et il y avait des prédictions et tout. Horoscope, prédiction du jour. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? D'accord. Ok. On s'en bat les couilles, hein. C'est nul. On s'en fout. Coin des mini-jeux. C'est le coin des mini-jeux. Coin. C'est le coin des mini-jeux. Tu peux y jouer à des jeux secrets achetés à la boutique des loisirs. Tu n'as pas encore de jeux secrets. Ça marche. Rue du marché. Qu'est-ce que c'est que c'est encore? Aire d'entraînement. Non, ouais, l'aire d'entraînement. C'est l'aire d'entraînement. Certains pour apprendre à utiliser tes gadgets, je t'attrape. Tu pourras bientôt y apprendre autre chose. Rien ne vaut l'entraînement quand on a des singes à choper. C'est ton home cinéma. Tu peux y voir des films et y écouter des CD. Ok. C'est la galerie. Tu peux y voir les objets achetés dans les boutiques. Ok. C'est la banque de données. Elle te permet de sauvegarder ou charger des parties. N'oublie pas, tu dois toujours sauvegarder la partie avant d'arrêter le jeu. Et c'est quoi le marché là? C'est l'entrée de la rue du marché. On y trouve plein de boutiques en tout genre. J'imagine qu'il y aura des pièces à avoir pour récupérer. Putain, c'est nouveau ça! Épicerie. C'est l'épicerie. Ici, tu peux payer avec des pièces d'or. Tu y trouveras des tas de choses utiles à ton aventure. Reviens régulièrement pour trouver de nouvelles choses. Tu n'as pas assez de pièces d'or. Tu ne peux pas encore acheter ça. Ah, tu peux acheter biscuits de luxe. Biscuits? Ah, tu peux acheter des biscuits de luxe? What the fuck? Tu peux acheter des... Ouah, les vestes, ça coûte cher. Billets de tombola, what the fuck? Ok. C'est le ciné simiesque. Tu peux y tourner des films avec des singes capturés et les regarder. Sois créatif. Tu n'as pas encore de fichier ciné. C'est le magasin de disques. Tu peux profiter de tes achats au home cinéma. Collectionne-les pour le plaisir. Reviens régulièrement pour trouver de nouvelles choses. Tu n'as pas assez de pièces d'or. Tu ne peux pas encore acheter... Ta gueule. Putain, saoule. Film, disque, ok. Ici, on peut acheter des films et des disques. Là, on peut tourner des films. Boutique de loisirs. C'est la boutique des loisirs. Ici, tu peux payer avec des pièces d'or. Les objets achetés ici permettent de jouer aux mini-jeux. Ok, donc là, il n'y a plus d'histoire de gacha et tout. Là, tu vas dans des magasins pour acheter des trucs. Reviens régulièrement. Pour... Tu n'as pas... Tu ne peux pas... Ok. Et là, on peut acheter des jeux. Là on peut acheter des jeux, là on peut acheter les musiques et les photos, les albums photos. Ce qu'on ne fera pas parce que je vais garder l'argent pour acheter... En fait on fera que l'épicerie je pense. Et là c'est pour acheter les anciens... Galerie, donc là c'est pour acheter la galerie. Ouais, ok. Bah on s'en branle. Voilà, ce qui nous intéresse, ce qui va nous intéresser le plus c'est l'épicerie. Voilà. Autrement le reste, rien à foutre. Ce qui nous intéressera plus c'est les cookies et les vestes. Oh les galeries, j'en ai rien à foutre, hein. On s'en fout. Les films et tous les autres, on était obligés parce qu'il y avait les gachas. Donc on pouvait rien faire d'autre que les obtenir. Galerie, c'est quoi? C'est les bouquins, c'est les photos, etc. Les histoires et trucs. Ça, c'est les films et les musiques. Là, c'est les mini-jeux. Et là, les bonnes aventures. Ça, c'est comme les gachas, c'est les trucs, les prédictions. Là. Mais on s'en fout. Voilà. L'argent ira directement dans l'épicerie. Il te permet d'entrer dans les émissions de télé. Donc là, c'est des histoires de l'émission de télé, ça c'est bizarre. Scoop le dernier mariage. C'est parti. 4 à capturer. C'est parti. Il avait un micro l'autre. Ah, maintenant c'est des téléphones géants. Les gadgets que tu possèdes sont le filet à singe et le bâton paralysant.
Utilise le bâton paralysant pour... On connaît. Le bâton paralysant et le filet à singe est attribué à la touche X. Chaque touche contrôle un gadget et... Si tu as besoin d'y entendre un conseil, choisis d'abord le bâton. Bonne chance, Satoru. T'inquiète pas. Là. Ça commence bien. On a déjà perdu une moitié de vie. Hein. On a joué deux fois ce jeu. Hop. Qu'est-ce qu'il donne alors? Ah, c'est les... ah ouais, c'est vraiment les mêmes pièces quoi. Tu vois les biscuits? Oui, on connaît. Je vais arrêter de taper les téléphones, ça sert à rien. J'ai un peu du mal à viser les... Il y a peut-être un biscuit ici. Ou pas. Par contre ça coûte cher. Hein. Les vestes coûtent très cher. Pas aller trop vite, je voudrais bien récupérer des pièces quand même et des soins. Je vais te crier déjà un cookie, j'en peux plus. Ça commence très bien. Ah oh, c'est bien ça. Choix du gadget. Ok, fuir. Ok. Ça c'est bien, on peut choisir. Mais non, le mariage. Il y a peut-être des trucs à l'intérieur. D'accord. Et venez, on capture le marié ou la mariée là. Ils sont où là? Ah ouais, mais là frère. Bah, ça sera la mariée. Par contre, ils se sont énervés, c'est quoi cette histoire là? Ah. Un défi contre la montre, capture les singes le plus vite possible. Tu dois attraper un minimum de singes. Voyons à quelle vitesse tu peux les ramasser. Bof. Ah oui, après il y a le défi de temps comme OK. Satoru. Je t'envoie ce gadget, je t'attrape. C'est un radar à singe capable de repérer un singe à 1 km. Apprends à t'en servir à la station d'entraînement. On connaît ça. Aller à l'aire d'entraînement. Bon. On connaît. C'est parti. Pour utiliser un gadget, n'oublie pas, tu peux ouvrir, déplace le curseur.
Appuie sur la touche. Le radar à singe repère. Si tu en trouves un. Eh, hey, y a pas beaucoup de gadgets, hein. J'ai l'impression. Petit chapeau rouge. Incroyable. Oh putain, je lui ai mis tarif là. J'avais des comptes à lui rendre, j'ai l'impression. Putain, comment je l'ai frappé. La gueule. D'abord récupérer toutes les pièces, je vous m'achète des cookies après. Hop. Putain. Vous voulez pas lâcher plutôt des cookies, ça m'arrange, ouais. Edouard. J'ai entendu un singe. Billy. Il joue à cache-cache. Oh. Ah ouais. Na 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 na. Ce soir je vais pas trop hurler je crois parce que j'ai un peu mal à la gorge. Donc je me permettrai pas d'hurler ce soir je pense. Même si ça me fait chier. Oh, il y a beaucoup d'ennemis là. Il peut pas avoir un cookie parmi eux là. Bon, sinon je prends les pièces, hein, je m'achèterai des cookies, c'est pas grave, mais... Voilà, c'est ça qu'on voulait. Caméra, au revoir. Paix. Où. Hey, il ressemble à un loup. Ah, il est trop stylé. Reviens là. Oh, chier. Ah, il croit que je l'ai pas vu. Oh. Eh, j'ai bien fait de rentrer, hein. L'autre à l'intérieur était plus intéressant, je pense, non?
Ça, pour l'instant, c'est normal, c'est les premiers niveaux. Pour se transformer en singe, ça c'est excellent, c'est nouveau ça. Mais non. Choix d'identité pour transformation rapide. Choisir d'abord oui dans les options. Je vais aller voir dans la rue, l'épicerie, voir si on peut acheter des trucs. C'est épuisé. Ah mais ça c'est pour récupérer des cookies, c'est vrai. 300 pièces, c'est cher. Hein. Billet de bingo. Billet de tombola, qui sait ce que tu auras. Ouais. Faut faire économiser. Bon allons-y. Pom pom. Chevalier Féeric. J'importe cette identité dans ta transfo-montre. Ce chevalier dispose de force en défense et en attaque. Tu peux t'entraîner à la station d'entraînement. Aller à l'aire d'entraînement? Bah ouais, c'est un nouveau gadget ça. Mais non. Waouh. Ya. Ya. Non, c'est trop bien. Oh. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais je voulais. Tant pis. On y va. Remplis ta jauge en ramassant des cosses de transfo énergie. Tu pourras changer d'identité. Tu peux trouver de la transfo énergie sur le sol ou en frappant des téléborgs. Bah what? Mais c'est de la merde. Ah, je peux perdre mes objets en plus. What?
What? Mais c'est trop cheaté. Wouah. Ah oui, d'accord. Ah, on est plus au même level là. Et c'est hyper compliqué, c'est à peine le début. C'est trop cheaté. Les singes, ils peuvent s'énerver et te mettre sa bastos. Genre vraiment, c'est... Je sens un peu cheaté quand même. Hein. Ah ouais, ok. Pas simple, je vois un peu le délire. C'est par où? C'est par là? Je sais plus. Ah, c'est par là. Oula. Qu'est-ce que je dois faire là? D'accord, merci pour l'info. Ok. Oh là là, les coffres! Putain. Oh, c'est trop cheaté. Ah ouais. Ok. Ça fait de la thune. Oh là 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 là, c'est bon ça. Hop, 300 pièces, on pourra acheter une... Ok.
Ah ouais. Encore. Ah, c'est la princesse. Ah. Singe Gérion. MDR. Mort de rire. Cendrillon, mais là c'est Singe Gérion. C'est... Voilà, c'est pour ceux qui n'ont pas compris. Ok. Ah ouais. Oh, la salle. Ah. Moi, ce qu'on vient à capturer. Plus que deux. What? Hein? What? Alors toi. Connard. Putain, il m'a mis mal, hein. Putain. Ah oui, je comprends mieux les transformations. Cookie, bon ça. Encore un et je suis bon. Ok, putain les transformations. Ah ouais, en plus ils peuvent nous piquer les objets et tout maintenant. Mais c'est fou. Ah, le jeu est 10 fois plus intéressant quand même. Il a plus d'enjeux encore. Un boss. Le jeu, je le trouve moins beau que le 2 quand même. Génial. Wow, ça c'est un sacré dragon tueur. Tu n'as pas peur. Le souffle enflammé de ce dragon. Ah mais c'est le docteur dans le 2. Dans les sortes de... Ouais bah ouais, le singe blanc c'est celui-là du 2. Quoi? Et en plus tu te permets d'insulter mon chef-d'œuvre. Adieu. Je ne partirai pas avant que les choses redeviennent normales. Oh, impossible. Nous avons reçu l'ordre d'hypnotiser la population humaine dans son intégralité. L'ordre? Mais de qui? Oh, bon, de qui? Mais de Spectre. Spectre? Sa perle hippopète. J'oubliais. Son nom est tip-top secret. Sale gamin, tout ça c'est ta faute. Tu l'as dit, pas moi. La ferme. Tu ne peux pas filer maintenant que tu es au courant. Je devais jouer dans un super film aujourd'hui, mais Hollywood peut attendre.
Merde, putain. Un souhait. Bon, vraiment, on s'est fait chier l'hiver là. C'est trop simple. Vu que ça se met derrière les rochers, on n'en parlait plus. Hein. Putain. Même le 2, je le trouvais plus dur avec le mec en moto là. Putain, singe blanc. Ouais, on rompiche là. Hein. Même pas besoin d'utiliser la transformation. On dirait bien que Spectre a recommencé. Qui est Spectre ? Spectre ? Ça me dit quelque chose. Ah oui, c'était avant que vous n'arriviez. Spectre, c'est un singe très rusé qui voulait dominer le monde. C'était une attraction populaire du parc à singes. Mais un jour, un casque pour singe a fait sortir son côté obscur. Maintenant, c'est plutôt une sorte de dictateur. Pas un dictateur, un grand leader. Je vois que vous n'avez pas encore regardé notre super émission. Spectre ? C'est toi qui as tout manigancé, n'est-ce pas ? Dis-nous ce que tu veux ! Je suis passé pour voir à quoi j'étais confronté. Pas grand-chose, on dirait. Vous êtes encore plus débile que mes singes. Comment oses-tu ? Tu ferais beaucoup mieux de te rendre ! Oui, laisse tomber ! On ne m'aura pas cette fois. Je ne veux pas refaire les mêmes erreurs. C'est pourquoi je fais deux fois qu'il fait les mêmes erreurs. Tout à fait, mon cher Spectre. Votre serviteur, adulé des singes, craint de tous les humains, le génial scientifique. 28 ans, célibataire, 1m90 coupe. Il est en train de faire son CV ou quoi, lui, qu'est-ce qu'il veut ? 63 kilos coupe afro comprise, mot préféré. Et un super cuit de 1300. Mais c'est cru sur Tinder ou quoi? Le docteur Tomoki ne vous avisait pas de l'oublier. C'est pas vrai! Vous ne pouvez pas être normal! Coupez-moi ça! Mais c'est bien plus grandiose comme ça. De toute façon, vous n'avez pas la moindre chance! Bien dit, Spectre! Hey, salut Tomoki! Quoi? Et cette tête? Elle va mieux? Mademoiselle à qui? Allez, spectateurs, ne nous préoccupons pas de ces pauvres terriens. Passons plutôt aux choses sérieuses. Hein? Oui. Bon, les enfants, profitez bien du spectacle. Mais si vous avez plutôt envie de me défier, ce sera avec plaisir. Ciao! A plus! Ils se connaissent. Aki, tu connais ce type masqué? On peut dire ça.
Allez, il faut attraper ce monsieur, je sais tout. Putain, elle va dire que c'est son copain ou je sais pas quoi, ou son mari, j'en sais rien, mais... Son frère, je sais pas trop, mais... Elle va nous sortir une dinguerie. Heureusement que Singe Blanc est à la retraite. Lol. Allez, on va acheter des vies, là. Hop, on va aller acheter des... Ah ! On peut acheter des, aussi des stocks de... Ok, intéressant. Ça, je sais pas ce que c'est encore. Oui. Nickel. Petite veste en plus, c'est bon. Ah, on va faire que ça, sachez-le. Hein, parce que pour niquer le Spectre à la fin, je pense que ça va être compliqué. Hein. Merde. Allez, on y retourne. Alors, dans la chaleur des bananes. Satoru, je t'envoie ce gadget qui t'attrape. C'est un cerceau rapido qui te fera courir comme un guépard. Oh là, la traduction. Et alors ? C'est marqué comme une caselle, hein. Aller à l'aire d'entraînement ? Non, je connais. Ah, je pourrais utiliser une voiture. Hé ! Le cerceau rapido te permet de courir très vite. Tu peux attraper les singes les plus rapides avec ce gadget. Fais d'abord tourner le joystick. Démarre avec le joystick. Tu disparais en un... Waouh, il y avait pas ça avant. C'est vraiment ton style. Saute dans la voiture de sport pour la conduire. Démarre avec le joystick. Tu peux attaquer des singes et des téléborgs en les heurtant. Elle va vite. Fais attention avec les commandes. Oriente le joystick analogique droit vers la gauche ou la droite pour déraper. Ouah, c'est dur, hein. Ouah, vous vous rendez pas compte comme c'est dur de la contrôler, cette merde. Oh putain, le jeu est en train de bugger à fond. Pas des petits singes par là? Ah non. Oh là là, le super héros là! Viens ici! Oh là là! Putain, mais je suis nul. Ookiman, lol. Mort de rire. Là.
Ah bah on va très vite avoir de la vie, c'est bien. Ça c'est bien. Franchement, d'acheter de la vie comme ça, c'est excellent. On va pouvoir acheter tranquillement de la vie, ça c'est bien. Il y a une porte là. Ok, ça s'ouvre. On ira voir après. Ouais, y'a rien ici. On va aller voir, on va aller checker le cinéma et le. Et l'autre bâtiment là. J'ai l'impression qu'il y a des trucs. Ok. Voilà. Voilà. Mais vas-y, mais... Eh ben, il voulait pas celui-là. Hein. De toute façon, on a de la thune, donc c'est pas ça qui manquera. Ok. What? Mais c'est trop dur! Mais les gars, je comprends rien. Ouais, là, c'est... ça aurait dû fonctionner depuis 1000 ans, là. Hein. Ah, peut-être un peu abusé, là, les... Mais c'est du cheat total!
Ah bah vous voulez pas rentrer celui-là. Ah merde, fallait le faire avant. Tant pis. Putain, il y a la banque. Ah. Du soin. Non. Ah mais je vais devoir acheter ça avec les pièces, hein, tant pis. Ah mais les pièces réapparaissent. En fait, tu peux te faire de l'argent à l'infini si je peux, quand j'y pense. C'est abusé. Et c'est abusé! Abuser leur force. C'est trop cheaté. Bof. On a vu mieux, hein. Ah, quel bonheur. C'est bien pièce. Ah, c'est bien pièce. Vas-y, on prend. On se paie bien, là. Ok. Ce gadget, je t'attrape. C'est un lance-pierre idéal pour viser les cibles lointaines. Tu peux le tester à la station d'entraînement. Je connais. On connaît ça. C'est parti. Génial. On va prendre tout de suite le lance-pierre. Hop, Edouard. Nanana, nanana, nanana.
D'accord. Ah, mais le tableau, mais il pue la merde! Oh, je peux pas gueuler, je peux pas gueuler. Je peux pas pousser ma gueulante, j'ai mal à la gorge. Je peux pas. Ouf. Ok. On va aller par là pour voir. On peut commenter de toute façon. Hop là, là t'es avec son petit entraînement, il se balade avec comme ça, normal. Film dans l'espace. Ah oui, d'accord, et là c'est l'exit, ok. Oh, oh, ils sont encore plus chiants que dans le 2. Ah, dans le 2, ils étaient pas très chiants d'ailleurs. Dans le 2, ils étaient pas trop chiants les singes, j'allais dire. Oh, c'est bon ça. Mais what? C'est cheaté! Ils sont encore plus cheatés que dans le 2! C'est abusé là! C'est des cochons à tête chercheuse là, j'en peux plus! Oh là là, ça fait perdre des cookies trop facilement! Putain! Et il saute. Oh là, le vilain! Mais c'est trop cheaté, ces cochons de merde! Yeah.
Ah, les cochons, c'est trop cheaté. Ah, les cochons, c'est abusé comme c'est cheaté là. Les cochons en tête chercheuse là. Bon, moi on a 200 pièces, pas mal. Hop là. En fait, faut les esquiver en fait. Oh putain, il est dans un robot. Ah non, c'est moi qui contrôle le robot, ok. Et maintenant, un nouveau véhicule, le robot. J'ai un peu modifié celui conçu par Natsumi. Il y a une cabine dans la tête. Saute pour grimper dedans. Quand tu es dedans, utilise les joysticks analogiques gauche et droit simultanément. Oriente vers l'avant pour avancer. Oriente vers l'arrière pour reculer. Et oriente vers la gauche et la... Utilise séparément les joysticks analogiques gauche ou droit. Appuie sur la touche L3 pour frapper. Et sur la touche L, maintiens les touches L3 et R. Surveille l'indicateur de puissance en bas. Si tu prolonges l'attaque fusée, le moteur surchauffe et le robot s'arrête. Si tu orientes simultanément les joysticks analogiques gauche et droit dans des directions opposées vers la gauche ou la droite, le robot saute. Utilise ceci pour esquiver les attaques. Appuie sur la touche R1 ou R2. Ah, il y a tellement d'explications pour le robot là.
nickel. Encore des mini-boss comme ça, c'est sympa. On va avoir full vie, hein. On sera tranquille en termes de vie, je pense. Ah, des balles explosives, des balles auto-guidées. Ok. Satoru, je t'envoie ce gadget, je t'attrape. C'est un filet aquatique pour nager sous l'eau. Fais des longueurs à la station d'entraînement. Allez à l'air d'entraînement. Non, parce qu'on connaît. Vendredi 16, c'est quoi ce remix nul? C'est parti. S'enfuir. Oriente le joystick analogique et appuie sur la touche L. Utilise le joystick analogique droit pour attraper les singes avec... Ah ouais, c'est plus pareil, c'est plus Ah ouais, c'est un peu bizarre. Je sais pas pourquoi ils ont changé la mécanique, elle était mieux dans le 2, je trouve. What the f... Mais ça va? Mais c'est cheaté les gars. C'est abusé là. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec cette histoire de sage qui s'énerve là? C'est nul. C'est bon, c'est abusé là. Connard. Je crois que j'ai que ça à foutre de perdre la vie. J'ai mal à la gorge, votre faute là. Balade là sur les chevaux là. Oh non. Hop. Oh non, lui je le déteste. Hein. Je le déteste déjà. Yeah.
Oh là là. Bon, c'est parti. Qu'est-ce qu'il va me faire? Ah oui, d'accord. Merde. C'est de la merde ce truc. Mais bon, vous avez fini de me marceler comme ça là? Bah d'accord, je n'ai pas eu le temps de me défendre quoi. Je vais me faire enculer, c'est ça le mot. Connard. Et c'est quand que tu meurs au fait? Ça m'arrangerait bien. Ouais mais frère, il est invincible le robot là. Sa mère la pute là, il est invincible le robot. Mais putain, mais fumier, t'es mort. Mais c'est bon, c'est trop. Je comprends rien frère. Frère, ça commence trop mal le jeu là. Je pouvais faire. En fait, j'ai pas calculé le nombre de coups que j'ai fait, mais je pouvais faire ça pendant des heures en fait. Bon, au moins pour acheter une vie, c'est pas trop grave. Enfin, ça fait chier un peu quand même, on aurait pu avoir 9 vies au lieu de 8. Oh, je vais en casser des têtes là. Je vais en casser des citrouilles. Oh, il est déguisé en citrouille, c'est mignon. Ah, c'est bon ça. Ah, et donnez-moi des pièces, moi je veux bien. Hein. Oh, le bug. Non! Pas mal de thunas. T'amuses de déguiser en citrouille ou quoi? Mm-hmm.
Excellent. Bon, ok. Oula, c'est le chiffre du diable là que 666, c'est pas bon ça. Oula! C'est nul. Et il va vite. Il est où lui? Eh si! Bah ouais, mais j'ai pas eu le temps de m'échapper! Mais c'est de la merde ça! C'est trop cheaté! Ah, je suis désolé, c'est méga cheaté! Il te fait peur, donc tu tombes, t'as pas le temps de t'échapper, il te tape! Bah le but c'est de le paralyser, pas de le mettre en colère! Enfin, je comprends pas l'intérêt là! C'est trop cheaté ça! Un peu abusé là! Enfin bon. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'ils font pas encore? Ils essaient d'améliorer le jeu, mais en fait, il aura encore plus nul qu'avant, quoi. C'est une catastrophe de faire ça. Il est où lui? Je vais t'apprendre comment grimper sur les piliers et les ponts. Essaie de sauter vers la... Oriente le joystick et vers le bas pour... Réappuie sur la... Stop! Putain. Putain. N'importe quoi.
Bien sûr. Je sais. En vrai, je vais pas racheter un cookie, il est pas. Il est juste un peu cassé, ça va. Satoru, écoute-moi bien. J'importe une identité dans ta transfo montre. Voici le kit du Far West. Le kit du Far West a un revolver et peut tirer en courant. Commence par t'entraîner à la station d'entraînement. Allez à l'aire d'entraînement. Allons-y. Allons-y. Le kit du Far West est une identité qui te permet de tirer des balles de peinture sur des ennemis et objets distants. Maintiens le joystick analogique droit incliné pour attaquer plusieurs fois dans une direction spécifique. Tu peux même attaquer en bougeant avec le joystick analogique gauche. Allez! Prends ça! Putain, c'est trop cheaté, c'est trop bien! C'est trop bien! C'est trop bien en fait. Ah ouais, mais l'intérêt de se transformer est exceptionnel en fait. Non! Tant pis, en fait, on va aller refaire les entraînements, c'est pas grave. Ah, fais chier, j'ai coupé le truc. Oh, c'est perturbant. Ils auraient pas dû faire ça. Pourquoi ils ont pas fait comme dans le 2 là? T'as juste à passer sur la gauche, on n'en parle plus. Vous faites chier. Excellent. Ouais bon, ta mère. Allez, ça commence. Ça y est. Ils sont trop cheatés quand ils sont énervés, c'est pas juste, c'est pas du jeu. Ah ouais d'accord, si t'annules c'est finito quoi. Putain. Vaut mieux pas annuler la transfo quoi. Ah, le Saloon Palace. Hop là. Oh, mais quel connard. Putain, il me gonfle à faire ça. C'est trop abusé, ça. Tape, ils arrivent à attaquer quand même derrière, quoi. Enfin, merde. C'est le but, c'est de les déstabiliser avec cette arme-là. Et finalement, tu fais rien du tout. Tu fais que dalle.
Tu manges une sauce, c'est terrible. Oh putain. C'est affreux ce que j'ai fait ça. Bon alors pourquoi je peux pas monter là? Ah. Ah. Ah, désagréable. Oh putain. Ok, c'est bon. On prend tout l'argent possible. Pom, 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 pom. Et normalement on doit pouvoir... Il faisait le malin là, il me tapait avec son petit cul là, ça m'a énervé. Voilà. Je les fume tous moi. Qu'est-ce qu'il veut là? Hop là. Alors on va rentrer dans le salon de palace pour voir un peu ce qui se passe. Je suis matrixé par Retour vers le futur moi. Le salon de palace. Hop. Connard. Ah il va falloir vraiment que j'utilise... Merde. On peut me laisser tranquille 2 minutes? Hey, il tire à l'infini là, c'est con là. Bah ouais, c'est mieux comme ça. Connard. Un peu complexe, hein. Vas-y, donnez-moi de l'argent, moi ça me bat très bien. Le jeu il est... Est-ce qu'il tire lui? Cowboy. S'abuser, nous le diront-ils. Et ça va les esquives là, tu t'es pris pour l'ultra instinct, enfoiré. Mais... Bah, je fais quoi moi? Je vais me faire foutre. Non mais c'est trop là. Emma. Ça a rien, mais c'est de la merde ce jeu. Mais je comprends rien, frérot! Putain, je vais lui mettre sa bastos, il commence à me gonfler. Connard. Putain, ça va 2 minutes, là. Il vient de me mettre une sauce, là, c'est trop grave.
Putain, l'abus, hein. L'abus du jeu. Oh, c'est une dinguerie, hein. Je vais me manger. Putain, je vais me manger un tonneau, ça va arriver dans 10 minutes. Merde, je voulais pas aller par là. Ah. Ça c'est bon ça. Ah, ça se recharge tout seul, c'est intéressant ça. C'est bon à savoir. Connard! Viens ici! Mais connard! Putain, c'est dinguerie, hein! Oh, c'est... Boum. Ok. Ok, le train. Ok, cours dans le train. Margaret. Putain, il est excellent le cowboy, je trouve. Thank you.
Ah, le cowboy il est trop bien, c'est le meilleur je trouve. Le chevalier, après faut que j'aille entrer, faut aller choix pour le chevalier, ce qu'on peut faire. Le cowboy est bien. Il cheatait le cowboy même. Ok. Singe bleu. Ah, c'est le mec en moto. C'est le retour. Pas du tout. Parie que c'est moi que tu cherches, fiston. Ah si, c'est lui. Et si, c'est lui. Arrête un peu de jouer au shérif, parce que je suis la gâchette la plus rapide de l'Ouest. Oh vraiment, selon qui? Tu me crois pas, hein, gamin? Si jamais je te bats, demain je serai une véritable star. Et je pourrais sortir avec... Rose. Oh, Rose, c'est la meuf musique là, c'est celle qui chante. Oh, elle va encore nous casser les couilles avec ses chants. Gamin, c'est un duel. Quand la musique s'arrête, le combat commence. C'est parti, les règles d'or d'un brigand du Far West. D'accord. Mais quel connard! Mais c'est bon! Ça va là! What? Mais c'est trop cheaté sa connerie là. Faut du temps là. Putain, mais quel fils de pute avec ses bombes à gogo de merde.
Oh, j'en ai marre. Mais c'est bon! Mais il me cave là! Bon, bah, je vais me faire foutre. Allez. Moi, je vais faire mon taf de l'autre côté là. J'ai d'autres trucs à foutre. Hein. Je lui donne des soins et tout. Moi, c'est. C'est abusé. Mais c'est bon! Mais non, mais il en fait trop là. Eh, ça t'intéresserait de tomber? Voilà. Ça suffit, c'est un duel. À mon signal. 3, 2, 1, go! What? Waouh. Un peu chiant ce duel. Par contre, on va pouvoir s'acheter masse vie. Oh. OK. On avance, ça fait déjà deux ennemis éliminés. Hein. Ils ont singe bleu. Que se passe-t-il, Tomuki? 3, 4, 5, encore 5. Les ondes sont toujours complètement dominées par notre signal. Oui, c'est vrai. Et il reste 3 des 5 cinglés. Ah, d'accord, il en reste 3. Il y a encore la meuf qui chante. Je sais pas s'il y aura encore le sumo. Bien, je me demande quelles étaient les autres règles d'or du bandit. Rien. Hop, je vais acheter des trucs. Voilà. S'acheter un petit des petits cookies. Voilà. On a tellement de vie, on est bien là. On a 12 vies, c'est pas mal hein. Donc il reste 3 sous-boss on va dire. Et après, on est good. Satoru. Oh. Je t'envoie ce gadget, je t'attrape. C'est une voiture télécommandée que tu peux contrôler à distance. Deviens un as de la conduite à la station d'entraînement. Non. Ok. Encore en train de se nettoyer le fiac l'autre là. Alors, objet. On va mettre ça à la place du cerceau, je pense.
Faut le laisser attaquer lui. Merde, j'aurais pas dû. J'ai rien dit, faut pas le laisser attaquer, c'est un connard. J'ai du mal à viser les singes. Oula. Connard de merde! Connard, arrête de descendre ou de monter! Salopard! Mais il est trop... Mais c'est un fils de pute! Viens ici! Mais c'est pas possible! Mais c'est incroyable! Mais il est... Putain. Mais... Non mais... Non mais lui, je vais le... Ouais, je vais le... La gueule... Ah, t'es vénère, hein. Ça te fait chier, hein, quand on te tape, hein. Ah, il m'a mis en run, celui-là. Putain, mais quel salopard, hein. Mais vas-y, mais c'est... Mais je vais vriller, hein. Bon, lui, je vais lui mettre sa bastos, il va rien comprendre. Voilà, ta gueule, rentre là-dedans et fais pas chier. Putain. Par contre, je crois que la voiture peut y aller là. Hé, je le savais. Ah. Hop. Hop. C'est parti. Il m'a fait perdre tellement de vie, ce chien. Ah merde. Oh putain. Je vais faire une connerie. Oh, y'a un gâteau. Gâteau, je prends. Ouais, c'est trop cheaté le cowboy. Hein. On va pas se mentir, hein, mais. Ça va. Ça va, on se débrouille bien. Je trouve. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Ouais. Je vois qu'on peut aller dans plein de zones à la fois là. Il y a en haut, il y a là. On va voir en bas. On remontera si nécessaire, mais je pense que... Oh putain, bah j'ai jamais... Oh, quelle idée de merde j'ai eue. Oh non. Fallait qu'il remette ça, hein, évidemment.
Oh, je l'ai jamais ce jeu, c'est... Ça a l'air d'être un... Pff, non, non, c'est vraiment de la merde. Hein. En fait, j'arrive pas à comprendre de la maniabilité de ce truc, c'est... Putain, c'est... Je sais pas si on... Si... Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens, voilà, c'est simple. Je sais pas que... Ah! J'ai mal à la gorge, vous me faites crier, j'ai mal à la gorge. Oh là 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 là, mais il tourne tout seul, mais j'en peux plus de ce jeu. Ah! Ah, c'est de... Oh, c'est un scandale ce jeu! Allez! À droite! À gauche! Putain, je sais pas, c'est pas. Y'a rien, c'est pas logique ce jeu, c'est pas logique. Oh putain, c'est une merde, c'est une merde! Mais pourquoi il le fait trop? Ah, vas-y, j'abandonne, je casse. Transformation, c'est vraiment pas mal. C'est pas une mauvaise idée, je trouve. Ouais. Et tout? Avec ça? Ouais. Ça va. On est où là? Ah oui. Ah d'accord, on vient ici, d'accord. Okay. Ok. Oula, ça vite, non? Ok. Ok, c'est bon. Oula, y'a un dinosaure là! Jurassic Jake.
Bam! C'est trop bien, putain. Ah, je kiffe. Là, je suis en kiff. C'est abusé, le cow-boy. C'est qu'il y a un petit singe là. Merde. Bon, c'était le monde du Jurassique qui était moins intéressant celui-là, je trouve. Pas très beau, je sais pas, je le trouve moins. Ouais. Terrible, hein. On a mis du temps sur celui-ci. Tu ne peux te transformer que lorsque la vérifie toujours. La neige. Je pense qu'on va faire trois mini-boss et on s'arrêtera là. On fera les deux derniers mini-boss demain et puis Spectre demain, je pense. À mon avis. À mon avis. Ça verra bien. J'achète de la neige là. Oh putain, il y a des étoiles partout ici. Ok. Le cowboy c'est giga cheaté. Quand même, hein. On va pas se mentir. Hein. C'est giga cheaté quand même. Ah, c'est toi qui fais le malin! Okay.
J'entends un truc. Oh oui. Putain. Secours. Qu'est-ce qu'il fait lui là-haut là ? Il doit y avoir moyen de le faire tomber ce filou là. Ah bah voilà. Non ! Ah, oh, je suis en train de crever. Ah, oh, je l'ai pas eu ? What ? Putain! Compliqué. Ah bah en fait je peux juste monter comme ça, ok. Là je me fais chier dans le vide quoi. Ok. Bon il me manque un petit cookie et puis on est bon hein.
C'est trop cheaté le cow-boy. Hein. Oh, le cow-boy, y a pas à dire, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Où est-ce qu'on va? Reste 3 à attraper. Je récupère le max de thunes qu'on peut. Hop. Parce que 10 balles c'est vraiment pas mal. En vrai, le moment où c'est fait le max de thunes, c'est contre le singe bleu. Hein. C'est une dinguerie comment c'est fait de la masse de thunes. Ok. Bon, on fera le troisième mini-boss. Il nous restera deux mini-boss, donc c'est-à-dire plusieurs cartes encore à faire derrière, demain. Et on fera Spectre, je pense. Satoru, attends un peu. J'importe une identité dans ta transfo-montre. Voici l'as des ninjas. Rapide comme l'éclair, ce ninja connaît de nombreuses prises. Travaille ton ninjutsu à la station d'entraînement. Allez. Wow, stylé. Wow. Wow. L'identité de l'as des ninjas permet d'aller dans des endroits inaccessibles aux autres gens. Si tu vois une corde ou un mur étroit couvert d'empreintes, c'est le moment d'appeler l'as des ninjas.
saute sur une corde pour marcher dessus ou vers les empreintes pour courir le long d'un mur. Et... Ah, puis le, le ninja il est encore plus discret d'accord du coup. Waouh, il est trop stylé le ninja. Bah il y a trop de cheaté. Mais c'est trop de cheaté. Il est trop de cheaté. Wouah, le ninja est trop de cheaté. Non, non, c'est excellent. Waouh, les transformations sont excellentes. Après cette mission-là, on va essayer de refaire l'entraînement du chevalier et du cowboy parce qu'à mon avis, on a loupé des trucs. Hein. Waouh, les transformations sont trop bien. J'aime bien ce concept-là. C'est trop bien. Waouh, c'est excellent. Oh là là, c'est des génies. Ah, par contre là, les transformations, je suis très content. C'est vraiment... Merde. Bon, y a rien évidemment. Oh, les transformations, c'est excellent. Transformation. On m'appelle.
C'est trop cheaté, mais les ninjas, le ninja c'est trop cheaté. Hein. Excellent. Le ninja est trop bien aussi. Hein. Putain, ils ont fait des trucs de fou en fait. Ouais, mais là je suis con. On va faire quand même le cow-boy hein, à choisir. Le problème de celui-là, c'est que en fait, tu dois, t'es obligé de te rapprocher quand même. Il est obligé d'avoir un contact quoi. Thanks.
Pas mal du tout, hein. Ah, trop stylé le ninja. Il est trop bien. Ah. Je crois que je suis en train d'avoir une angine là. En train de choper d'angine. Je crois que j'ai une toux qui arrive aussi là. C'est pas bon. Ah. Singe jaune. Ah, c'est qui? C'est le sumo? Il a bien cassé la tête lui. Oh, ça sent le sumo. C'est lui. Il nous avait manqué, lui. Oh, bon sang, comme c'est triste. Mais qui a conçu ta tenue? Et qui a conçu la tienne? Quoi? Espèce de petit vaurien. Mais tu n'es pas capable de reconnaître un costume de sumo traditionnel? Oh, les gamins d'aujourd'hui, ils oublient toute leur histoire. Espèce de quoi? Oh, allez, calme-toi un peu, tu veux? Eh oui, le seigneur Spectre m'a donné des ordres extrêmement précis. Attrapez le perturbateur. Perturbateur? C'est toi, espèce d'idiot. T'es vraiment trop mignon. Oh, adorable. Alors, oh, va falloir que je monte sur les murs. Comment ça, ce que je veux? Tu préfères me battre ou m'inviter à dîner, mon chéri? Oh, allez, fais pas ton timide avec moi. Tu rigoles? Allez, qu'est-ce que tu veux, mon mignon? Pas le choix. Oula, calme-os. Ah, cette fois-là, il va pas s'échapper, hein. Il va pas se transformer en gros géant sumo, là, où il faudra lui péter les dents. Ça va. Il est beaucoup plus simple, je trouve, le troisième. Le troisième opus, il est trop simple. Avec les transformations, c'est trop simple. Oh! Singe jaune,
C'est pas possible. Tomuki. Tomuki. C'est n'importe quoi. Rose, tu me reçois? Oui. Qu'y a-t-il, Spectre? Faudra faire gaffe, elle s'énerve. C'est l'époque qui le veut. Soyez pas choqués. Ces gamins à tout prix. Oh, pas de chance. J'ai une répétition pour un grand spectacle. Qui est-ce qui commande à ton avis ici? C'est un ordre. Eh ben, Spectre se fait plus respecter du tout, hein. Par rapport au 1 ou au 2, là, il est nulos, hein. C'est victime. Bienvenue. Je continue d'élaborer des... J'avoue que Saint Jaune a un physique bizarre. Bien la grosse phobie. Il a un corps bizarre, hein, Saint Jaune. Oh putain, c'est violent. Voilà. On a bien avancé, hein. Mais avec les transformations, je vous le dis, c'est trop simple en fait. Hein. Bon, alors, on va voir. Du mercredi soir. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a des noms, j'avais pas vu. Enfin, je regarde pas trop, pas les connus. Le singe pas connu, les autres. Les singes pas comme les autres, pardon. Les singes pas comme les autres. Okay. Bon, voilà, on a fait les trois premiers mini-boss. Et puis on fera les deux derniers et Spectre demain. Je pense. J'ai 23h. Ouais, je sais pas. Hein. Ouais, on va faire ça. Hop. Allez. Hein, fuir ce niveau, mais tu veux que je fuisse quoi? Il n'y a pas de niveau à fuir là. Voilà. Voilà. Bon bah c'était bien. Attends, je m'en fous. La chance Spotify. Bon allez, je vais vous laisser là. Demain on termine APE Escape 3 et puis parce qu'en vrai là, avec les transformations, ça va aller très vite. Hein. Sachez-le, hein. On va speedrun demain. Là, c'est parce que je suis un peu claqué et puis avec mon mal de gorge là, mon angine là. J'avoue que je suis pas voilà. Bon allez, à demain pour la suite et pour la fin surtout. Salut, bonne nuit.